En fait, sur Facebook, il va démarrer qu'au moment exact. Par contre, sur YouTube, c'est déjà en route. Hein. Très bien, En très fait, sur bien. Facebook, il va démarrer qu'au moment exact. Par contre, sur voilà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent déjà sur YouTube. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur Kevin Schlack. Bonjour, bonjour à tout le monde Bonjour. également. Voilà, on est ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Donc, vous êtes déjà très nombreux. Il y a déjà 140 personnes en quelques secondes. Donc, on est ravis de vous retrouver en direct à la fois sur Facebook et sur YouTube, hein, puisque maintenant, on a mis au point une technique qui nous permet de diffuser simultanément et d'avoir vos commentaires sur les deux plateformes. Alors, on va essayer de voir vos commentaires hein, qui, vous voyez, qui s'affichent en direct. Hein. Donc, bonjour à tout le monde. Dites-nous d'où est-ce que vous êtes. Envoyez-nous votre ville, votre pays. Je sais qu'on a des gens qui nous regardent un petit peu de partout. Et puis, on va attendre 3-4 minutes quand même pour laisser aux gens le temps d'arriver, parce qu'on est très ponctuel, hein, 19h pile. Voilà, est-ce que je peux demander aux personnes qui sont sur YouTube de laisser un petit commentaire, qu'on voit si les commentaires de YouTube remontent bien? Voilà, il y a des gens qui nous regardent de Toulouse, de Belgique, de la Mayenne, Château-Thierry, du Québec. Bonjour Tracy, du Québec, de la Vendée, de Nîmes, Strasbourg. Alors, je suis à côté de Vivienne, qui, comme vous le savez, n'adore pas être devant la caméra, mais elle va quand même venir vous dire un petit bonjour. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis à côté. Je vais essayer de suivre vos questions. Voilà, je vous embrasse tous. Bon, voilà, alors on retrouvera quand même, on retrouvera Vivienne qui va nous commenter vos réactions, puisque elle va suivre le blog et elle interviendra. Donc il y a 156 personnes, en simultané déjà. Alors,
Voilà. Donc 150, peut-être ce qu'on peut faire, docteur Schlack, c'est peut-être de commencer par vous présenter. On va peut-être démarrer. On va déjà vous demander quelle est votre pratique, où est-ce que vous êtes, de façon à ce que on ait un peu plus d'informations et puis le temps comme ça que les gens arrivent. Alors, on vous écoute. Oui, très bien, avec plaisir. Bah, merci beaucoup de me recevoir effectivement ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je me présente, docteur Kevin Schlack, vétérinaire NAC exclusif au sein du groupe Canuvette, et j'exerce donc à Amiens. Donc, vraiment NAC exclusif, tout ce qui est petits mammifères, reptiles et oiseaux. Certains d'entre vous m'ont déjà croisé, j'en connais. Bon, j'en ai reconnu certains dans les commentaires. Bonsoir à ces personnes. Et puis, j'espère en croiser effectivement d'autres propriétaires. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, vous n'allez pas toucher ou ne vous touchera pas. Si ça vous touche, je vais vous donner quelques conseils et astuces, concernant donc l'anorexie et du lapin. Oui, alors on a fait un sondage en début d'après-midi, on a eu beaucoup de réponses et on posait la question de savoir si les propriétaires de lapins avaient eu déjà un arrêt du transit. Alors attendez, il y a de l'écho, on me dit qu'il y a de l'écho. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup d'écho ou pas, qu'on puisse... Le son n'est pas bon, on n'entend pas très bien. On n'entend pas... ça fait de l'écho quand C'est le docteur parle. ouais. Alors je vais couper mon micro, peut-être que ça sera meilleur quand le docteur Schlax va parler. Oui, ce que je disais donc, c'est qu'on a fait un sondage et on a à peu près plus de 85% des propriétaires de lapins qui ont été confrontés à un arrêt du transit. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez fréquent. Et puis, on a demandé au cours du dernier épisode d'arrêt du transit, est-ce que vous avez consulté un vétérinaire? Et à plus de 97%, les gens ont consulté. Donc j'imagine que c'est un motif de consultation très fréquent. Bah, comme le sondage effectivement le prouve. Ah, il y a encore de l'écho. Ouais. Il y a encore de l'écho. Alors vous allez parler, Kevin, et puis je vais couper mon micro, vous allez me dire si c'est bon. 1, 2, 1, 2. Non, plus d'écho. J'en entends plus. Donc. Bon alors donc quand je parlerai, je mettrai mon micro et sinon bah, je l'enlèverai. Comme ça, les gens auront un son correct et on essaiera de corriger ça la prochaine fois. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. Donc, ce que je vous propose, c'est de suivre d'abord une présentation du docteur Schlax qui va faire une présentation PowerPoint qui va aborder, je pense, pratiquement tous les aspects de l'arrêt du transit, à la fois dans l'explication pourquoi ça survient et comment l'éviter. Et ensuite, dans un deuxième temps, on répondra aux questions, à la fois les questions que vous avez posées en avance et puis celles que vous aurez posées en réagissant sur le fil de Facebook et YouTube. Voilà, alors on va se mettre en mode présentation. Et je vais laisser la parole au docteur Schlask. D'accord? Donc, allez-y, partagez l'écran. Et dès que vous aurez partagé, je vous affiche. Normalement, on devrait être bon là. Voilà. Parfait. Hop, je peux commencer? Allez-y, vous pouvez commencer. Moi, je coupe mon son, hein. Ok, très bien. Donc, bah, on va donc parler, comme le sondage l'a prouvé, donc quand même de l'anorexie, de l'arrêt de transit du lapin, qui est donc quelque chose effectivement donc de très fréquent. Donc, tout d'abord, en termes d'introduction et de généralité,
Comme mes consoeurs l'ont déjà dit effectivement précédemment dans l'alimentation du lapin, le lapin est un monogastrique herbivore strict. Hein. Vraiment, c'est très très important effectivement de comprendre que la base de l'alimentation du lapin vraiment se situe donc à base de fibres, donc apportées par le foin. Le but en fait vraiment du lapin, c'est d'avoir peu de stock digestif afin d'optimiser effectivement donc la fermentation de manière donc énergétique. Le lapin, on verra effectivement donc après, avec une petite partie sur la physiologie effectivement digestive du lapin de manière très courte. Hein. Donc le lapin a un cécum qui est très développé. C'est quelque chose qui est très important, avec une digestion des végétaux qui se fait par la flore cécale et également cette production de petites crottes que vous avez sûrement vu effectivement donc des fois le matin qu'on appelle les cécotrophes. Mais on va donc le développer par la suite. Faut savoir que vraiment l'arrêt de transit est une situation d'urgence qui est quand même assez classique et fréquente donc chez le lapin. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Donc tout d'abord, on va donc s'intéresser vraiment à l'anatomie et la physiologie digestive donc de vos petits protégés. Donc pour le lapin, voilà, vous avez une représentation donc très très schématique que j'ai dans ma salle également de consultation, donc je me sers beaucoup pour justement expliquer aux propriétaires. Donc là voilà, je vous laisse un petit peu effectivement la découvrir. Donc vous avez voilà donc de manière représentée de manière schématique l'estomac, l'intestin grêle, le cécum, le côlon, tous les échanges effectivement, toutes les entrées, toutes les sorties qu'il y a au niveau du lapin. Donc on va s'intéresser effectivement donc à chacune donc de ces parties, en commençant bien entendu par la tête. Vraiment, le lapin a une alimentation assez, on va dire, sélective, avec quand il est dans la nature, vraiment, donc, prend des morceaux vraiment donc très appétants, donc en particulier donc des fleurs qu'il trouve, de l'herbe, etc. Mais également, le lapin a un odorat et des informations donc tactiles qui sont vraiment très développées. Il possède donc ce qu'on appelle des moustaches, des vibrisses, donc vraiment vous pouvez observer là si vous avez votre lapin à côté. Donc un nez et également donc des lèvres et de nombreuses effectivement donc glandes, mais aussi effectivement des récepteurs qui sont très importants effectivement donc chez le lapin. Il possède un métabolisme donc qui est élevé avec un transit digestif qui est quand même effectivement assez rapide. Le but, c'est d'optimiser effectivement donc la fermentation. L'appétit chez le lapin est vraiment stimulé par donc la sécheresse buccale et par diverses informations donc internes que sont les contractions gastriques, les concentrations effectivement en glucose, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais continuons effectivement donc sur la tête donc du lapin. Le lapin, donc vis-à-vis de sa formule dentaire, possède effectivement 28 dents. Il a donc des incisives, deux paires en haut, une paire en bas, et il possède ensuite ce qu'on appelle des prémolaires et des molaires. Il possède une zone sans dents, donc comme le cheval, qu'on appelle donc le diastème. D'accord? C'est très important vraiment de comprendre ceci, à savoir que les dents chez le lapin sont à croissance effectivement donc continue, comme c'est écrit sur la diapositive, une croissance de 3 mm effectivement par semaine, avec une croissance des dents maxillaires, donc issues de la maxille, qui sont un peu moins importantes que les croissances effectivement mandibulaires. Mais quand même, attention, effectivement, donc ces dents sont à croissance continue. Donc, nous, propriétaires, je suis également propriétaire de lapins, donc on peut observer effectivement donc ces incisives, mais voilà, faut bien savoir, comme vous voyez sur le scanner effectivement donc qui est présenté ici, qu'il y a des dents effectivement des prémolaires et des molaires. Ça c'est vraiment effectivement donc très important de le comprendre que c'est à croissance continue. Alors, intéressons-nous maintenant à l'estomac du lapin. L'estomac du lapin représente vraiment 15% du volume intestinal avec un transit assez rapide qu'on va avoir donc dans l'estomac. Cet estomac est formé de plusieurs parties, dont une partie qu'on va avoir, qu'on appelle donc le cardia. Le cardia, alors je ne sais pas si on voit ma petite flèche qui est normalement donc ici, qui est en fait vraiment donc là, on va dire la frontière, le passage entre l'œsophage et l'estomac. Et au niveau de ce cardia, il y a donc un sphincter, donc une sorte d'anneau, en fait vraiment qui est très musculeux. Et cet anneau, en fait, empêche toute possibilité de vomissement, comme chez le cheval. C'est pour ça que vous ne verrez jamais votre lapin vomir. Un lapin qui ne vomit, c'est pas possible. Ou alors, si ça arrive, c'est que c'est vraiment très, 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 très grave. Mais vraiment, voilà, votre lapin ne peut pas vomir à cause de ce sphincter. On appelle le sphincter du cardia. Alors,
Il possède cet estomac, un pH qui est très, 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 très acide. Il y a très peu de choses, effectivement, qui survivent à l'intérieur donc de l'estomac du lapin. Et vraiment, ce pH acide va permettre la stérilisation, entre guillemets, donc des aliments ingérés. En revanche, chez le jeune, le pH est effectivement, donc, il reste acide, mais il est un peu plus élevé. On s'approche plus, effectivement, du neutre, pH neutre, afin de préserver de nombreuses bactéries vivantes jusqu'au cécum, de manière effectivement à ce que la flore, en fait, vraiment du jeune lapro puisse en fait se développer et se mettre en place. Ensuite, on va s'intéresser donc à l'intestin grêle. Ou dans l'intestin grêle, vous avez donc un transit qui est assez rapide, 10 à 20 minutes, et au niveau de ce qu'on appelle également l'iléum, ça c'est différentes parties hein, de l'intestin que vous avez, donc il y a 30 à 60 minutes en termes de transit. Et c'est dans ce lieu vraiment qu'il va y avoir donc une première absorption en fait des nutriments qui vont passer donc la barrière donc intestinale pour aller directement effectivement donc dans le sang. Ensuite, vous avez donc le cécum. Le cécum qui est un lieu très 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 important, qui est la portion vraiment la plus développée chez le lapin, qui fait 10 fois le volume de l'estomac, donc c'est quand même très très important, et représente 40% du contenu digestif. Et vraiment, il a une forme donc de cul-de-sac en spirale, segmentée par des brides de sa paroi qui est vraiment extrêmement fine. C'est vraiment le bioréacteur du lapin, c'est vraiment un endroit qui est très 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 important. Et vraiment, à l'intérieur donc de ce cécum, vous avez donc un contenu, une consistance qui est plutôt de type semi-liquide. Enfin, au niveau du côlon, le côlon généralement est divisé en deux parties. Vous avez un côlon dit proximal, c'est-à-dire le côlon qui est proche du cécum, qui lui va permettre de faire un tri des différents types de particules. Et ensuite, vous avez le côlon dit distal, le côlon qui est le plus loin, donc vraiment du cécum, où là, vous allez avoir la formation donc de crottes sèches. Alors, justement, en parlant des crottes sèches, ça représente donc des fibres non digestibles qui sont vraiment donc compressées. Vous avez donc un exemple ici, voilà, donc là, entouré de la flèche, je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc là, la présence des crottes sèches que vous voyez partout. Mais il y a également l'émission d'autres types de crottes. Attention à ne pas confondre avec de la diarrhée, ce n'est pas du tout effectivement de la diarrhée. C'est ce qu'on appelle donc des cécotrophes, donc qui sont vraiment formés dans le côlon, donc proximal, donc proche, on a dit effectivement donc du cécum, après expulsion de matière cécale. On voit effectivement donc que ces cécotrophes ont un aspect effectivement luisant, avec vraiment une matière semi-liquide moulée, c'est ce mucus en fait qui vraiment donne cet aspect luisant à ce cécotrophe. Et vraiment, les cécotrophes et les crottes sèches, on va le voir, ne sont pas émises en même temps, et généralement elles sont émises assez tôt le matin, et elles sont tout de suite en fait vraiment donc ingérées par le lapin. On en voit encore de très beaux, très belles photos effectivement ici. Voilà, elles sont ingérées sans mastication à vraiment leur sortie de l'anus. Avec donc, alors, ce qu'il faut bien retenir effectivement au niveau de l'alimentation, peut-être j'ai pas assez appuyé là-dessus, mais c'est mes consoeurs vraiment qui l'ont fait, c'est vraiment l'alimentation du lapin doit être une alimentation vraiment riche en fibres. À 80%, cette alimentation doit être à la base de foin. Pour l'alimentation déjà par les fibres, qui permet une consommation plus importante de cécotrophes, mais également pour l'usure effectivement des dents. Comme je l'ai dit, les dents sont à croissance continue. Et grâce effectivement au foin, il va y avoir en fait un mouvement de mâchoire effectivement du lapin qui va permettre une usure du plateau dentaire dans tous les sens effectivement donc de l'espace. D'accord? Et les cécotrophes, vraiment, donc on a dit, stagnent. Sont vraiment protégés par effectivement donc ce petit mucus hein, et ne sont pas émises effectivement donc en même temps que les vraies crottes, que les crottes sèches. L'émission des selles en général, je dis bien effectivement en général, ont lieu tôt le matin et effectivement donc tard le soir, mais ils le font effectivement donc également toute la journée. Les crottes sèches, comme on les voit, sont des crottes qui sont assez volumineuses, sphériques et dures, alors que les cécotrophes, donc je le répète, ne pas confondre avec de la diarrhée, sont vraiment donc humides de petite taille et sont vraiment groupés, forment une sorte de grappe. Vraiment, donc l'émission des selles et également des cécotrophes va varier en fonction, bien entendu, du régime alimentaire de l'animal, de son âge et également donc de son statut reproducteur. Et bien entendu, les crottes sèches et les cécotrophes, normalement, ne sont jamais émis en même temps. Plutôt, effectivement, donc le matin pour les cécotrophes, généralement donc vers 5-6 heures du matin. Généralement, ils le font, normalement, vous ne devez même pas les voir. Alors,
Docteur, docteur Schleitz, Oui, juste oui. juste une petite question qui me paraît intéressante. Il y a quelqu'un qui demande, et si il ne les mange pas? Ah, c'est une Ah, très c'est bonne une très bonne question. question. Alors, Alors, si votre si votre lapin ne mange lapin ne pas les mange pas les stégotrophes, donc c'est pas forcément effectivement délétère pour lui, mais en fait à l'intérieur c'est quand même constitué effectivement de protéines et d'éléments qui vont être essentiels en fait pour la fermentation. C'est-à-dire ça peut causer, a fortiori, un problème au niveau effectivement cécal. Il faut quand même, voilà, si par contre votre lapin n'ingère pas correctement effectivement ses sécotrophes pendant un certain temps, là quand même il faudra consulter effectivement le vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une impaction, quelque chose qui est en train de se passer au niveau donc en fait vraiment du cécum ou peut-être également une autre cause qui fait qu'il ne mange pas ses sécotrophes. Je sais pas si j'ai répondu Merci. à Oui, je pense que c'était intéressant. S'il y a des questions vraiment dans le thème, je me Oui, permets n'hésitez pas vous à me couper, hein, couper. d'intervenir. Hein. Allez-y. Donc, on va continuer ce qui, voilà, le vif du sujet après cette. Juste, excusez-moi, docteur Schlex, on a un petit bandeau qui apparaît en permanence. On vous demande si vous pouvez le masquer ou le Celui-là ou descendre. Voilà. celui-là? Voilà, très bien, comme ça, c'est parfait. Ok. Donc, on va aller vers, voilà, ce qui nous intéresse, vraiment l'anorexie, l'arrêt de transit du lapin. Alors, j'ai plus la main. Si, c'est bon. Alors, justement. L'arrêt de transit, qu'est-ce que c'est et comment ça va effectivement se traduire chez votre animal? Donc l'anorexie en elle-même, enfin, d'après la définition, en fait, c'est vraiment une perte d'appétit, un refus vraiment donc de s'alimenter de l'animal. Et cette anorexie, en fait, vraiment est liée à l'arrêt de transit, puisqu'elle va conduire à l'arrêt de transit, avec vraiment cet arrêt de transit est vraiment donc défini comme un arrêt de l'avancée du contenu digestif du lapin. Bien entendu, donc au début, on va passer par ce qu'on appelle un ralentissement de transit. On peut aller directement vers l'arrêt de transit, hein. Des fois, il n'y a pas effectivement, des fois, on observe des lapins qui vont avoir donc un ralentissement de transit progressif jusqu'à un arrêt total, mais vous avez certains lapins qui passent vraiment de l'anorexie à l'arrêt de transit directement. C'est vraiment, on diminue, voire on a un arrêt complet de la prise alimentaire, de l'émission des selles, et on a un animal, bien entendu, qui est douloureux, avec vraiment des douleurs digestives qui sont très importantes, et on peut même jusqu'à parler de colique du lapin. D'accord? Non. Alors, comment, vous, propriétaire, vous pouvez reconnaître cette douleur chez l'animal? Déjà, vous allez pouvoir observer un lapin qui va avoir un comportement qui ne va pas être comme d'habitude. Avoir un comportement, vous dit, de prostration du lapin. Il va se mettre dans un coin, il ne sait pas trop comment, en fait, il a une position un peu inconfortable, il ne sait pas trop comment se mettre. Donc vraiment, il va avoir une impossibilité de trouver une position allongée, vraiment qui va être confortable pour lui. Vous avez même l'exemple ici, alors peut-être vous l'avez déjà observé chez votre lapin, comme ce lapin qu'on voit effectivement ici, on dit qu'il fait la poule, justement, qui se met en position, voilà, il est un peu recouvert sur lui-même, comme s'il couvait un œuf. Un petit peu donc, si vous observez ça, et on a en plus aussi des fois des grincements de dents associés. Alors attention, il faut pas confondre également. Donc des fois, quand on a notre lapin sur soi, on lui touche un petit peu les mandibules, il grince des dents. Ça peut être effectivement donc pas forcément synonyme d'un arrêt de transit. Vraiment, comment reconnaître effectivement la douleur hein, vraiment donc intestinale de votre lapin? C'est vraiment une position inconfortable. Il ne sait pas comment se mettre. Il se met un peu sur le côté, il fait la poule. Et grincements de dents qui peuvent être donc associés. Quelles sont les causes justement donc de cette anorexie et de cet arrêt de transit? Il y en a plusieurs. Une des pathologies vraiment numéro une chez le lapin est la malocclusion dentaire. Là, vous avez un exemple très 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 avancé donc de malocclusion des incisives, donc qui est alors des fois d'origine effectivement génétique ou alors qui est possiblement due également à une alimentation qui n'est pas adaptée effectivement à lapin, ce qui fait que n'oublions pas, comme je le rappelle, il y a une croissance continue de l'ensemble effectivement donc des dents chez le lapin. Et vraiment, la malocclusion dentaire est une pathologie très très importante qui est souvent à l'origine effectivement donc de l'anorexie et donc de l'arrêt de transit. Vous pouvez avoir également donc des obstructions digestives par ce qu'on appelle des trichobézoars. Les trichobézoars, ça va être quand votre lapin donc va faire sa toilette. Alors surtout, je m'adresse aux propriétaires qui ont des lapins de type Angora ou des lapins effectivement donc à poils très très longs.
Donc, quand ils font effectivement donc leur toilette, ils vont ingérer également donc des poils. Ces poils vont donc se mettre dans l'estomac. L'estomac qui est un mélange, vous avez des poils, vous avez du foin, vous avez de l'eau, vous avez un peu de tout en fait à l'intérieur. Et le problème, c'est que s'il y a trop de poils, il y a un autre sphincter qui est à l'autre extrémité donc, de l'estomac qu'on appelle donc, le sphincter pylorique, qui lui est un sphincter extrêmement musculeux. Et aussi, tous ces poils en fait, vont se mettre à cet endroit-là. Et lorsqu'il va y avoir trop de poils, eh bien, ça va en fait faire comme un bouchon. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'estomac, bah, il n'y a plus de transit, ça ne peut plus effectivement passer. Et donc, l'estomac effectivement va gonfler, en fait, ça va grossir, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les trichobézoaires, qui est dû effectivement donc aux poils. On peut avoir également des masses, également à l'intérieur, et plus rarement, mais c'est possible aussi, des corps étrangers, également, qu'on peut retrouver aussi, donc qui peuvent être l'origine d'une obstruction digestive. Également, attention, le stress et la douleur. Vous avez donc des proies à la maison. Il ne faut pas oublier que le lapin est une proie, et donc qui est très sensible, effectivement, donc au stress. Un stress qui peut être également induit par le propriétaire, donc des propriétaires également trop stressés. Des fois, le stress peut se reporter effectivement donc sur l'animal et ça peut engendrer effectivement des ralentissements, voire des arrêts de transit. Stress qui peut être causé par tout événement effectivement externe, de type des bruits qui sont sourds, des bruits aigus, un chien qui aboie, trop d'animaux, des travaux. Il peut y avoir effectivement donc plein de choses. Mais également aussi de la douleur, aussi une douleur qui peut être soit interne ou une douleur qui peut être également externe. Un défaut également d'apport en fibres qui peut causer effectivement cette anorexie, cet arrêt de transit. Ça, c'était, je pense, très bien développé par mes consoeurs lors de l'alimentation du lapin. Mais aussi la sédentarité. Un lapin qui ne bouge pas, un lapin qui reste dans sa cage, qui en fait reste sédentaire, mais est vraiment prédisposé aussi à faire des ralentissements, voire des arrêts de transit. Il faut vraiment stimuler également donc le lapin de manière à ce qu'il puisse sortir des tunnels, des jeux, mais de manière à ce qu'il ne reste pas sur le canapé, vautré, etc., un peu comme un chat. Et donc également donc, des autres douleurs, des douleurs donc internes ou des douleurs également donc externes. Alors, quelles sont les conséquences vraiment donc de cette anorexie, surtout de cet arrêt de transit? Alors, on peut avoir ce qu'on appelle, ça c'est un terme effectivement non vétérinaire, ce qu'on appelle un risque de lipidose hépatique. C'est-à-dire vraiment donc une surcharge en fait au niveau du foie. C'est décrit effectivement donc très bien chez le chat. Et ça peut être vraiment donc délétère, ça fait mal. Et également donc chez le lapin, donc il faut faire vraiment effectivement attention à ça. Qui dit anorexie dit effectivement il n'y a plus d'apport de fibres puisque votre lapin donc ne se nourrit plus. Et donc, ça va entraîner, justement, vis-à-vis de sa flore, et en particulier au niveau du cécum, un déséquilibre, une dysbactériose vraiment bactérien. Et donc, les bactéries qui sont à l'intérieur, elles produisent du gaz tout le temps. Elles vont effectivement donc en produire. Et le problème, c'est que ces gaz sont évacués, justement, par l'intermédiaire du transit. Mais là, votre lapin, il n'y a plus de transit. Il n'y a plus rien, effectivement, qui marche. Et donc, bah, c'est justement, ces gaz peuvent s'accumuler. Alors, on peut avoir le cécum qui peut être impacté, on peut avoir l'estomac, on peut avoir différentes parties, justement, du tube digestif. Et ça fait vraiment mal, effectivement. C'est pour ça aussi que le lapin, ça fait vraiment le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire, une des causes qui est présente, bah, le lapin arrête de manger. S'il s'arrête de manger, il n'y a plus de fibres qui arrivent, il n'y a plus de transit. Les bactéries, elles, vont continuer à produire des gaz. Ça va rajouter de la douleur, ce qui va faire que votre lapin va encore beaucoup moins manger. Et donc, ça fait vraiment un cercle vicieux qui se met en place. Et également, voilà, les douleurs, les troubles également électrolytiques qui peuvent effectivement découler. Et des fois, quand on a justement un arrêt de transit qui n'est pas vu à temps, on peut avoir un lapin qui peut arriver ce qu'on appelle vraiment en choc. Un lapin qui est vraiment donc sur le côté, qui ne va pas bien, qui est vraiment donc en état donc de choc. Et là, le vétérinaire, justement, on peut évaluer effectivement ce choc par différents types de paramètres que sont la température, etc., etc. Alors, vous propriétaires, qu'est-ce que vous pouvez faire justement contre ça, contre effectivement si vous vous êtes face à cette situation? Il ne faut pas se leurrer. C'est plutôt de la prévention qu'il va y avoir effectivement à la maison. Ensuite, on va reparler, ça va être surtout effectivement donc le traitement vétérinaire qui va être important. Mais vous pouvez faire déjà à la maison donc de la prévention. La prévention par déjà une alimentation qui est riche en fibres. Je le répète et je le souligne, l'alimentation du lapin
à 80% est à base de foin. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Il faut également favoriser l'activité de votre lapin. Votre lapin, il doit bouger. Ça, c'est effectivement donc très, très, très important. Il doit se dépenser. Puisque c'est comme pour nous, lorsqu'on favorise effectivement donc une activité physique, ça va permettre effectivement au transit de pouvoir fonctionner. Il faut également éviter l'obésité. Donc ça, éviter l'obésité en apportant justement donc une alimentation qui doit être bonne pour votre lapin et éviter tout ce qui va être à base de céréales, à base de sucre, qui est vraiment effectivement pas bon pour votre lapin. Également, faire des massages et également donc des brossages réguliers. Les brossages sont vraiment donc indiqués, surtout, alors là, on a eu une période assez exceptionnelle, alors je ne sais pas si c'est dû aux températures, mais il y a eu vraiment une période de mue chez les lapins qui était vraiment très, très, très mauvaise. Alors vraiment, j'ai dû en voir une 20, 25 lapins qui ont été en arrêt de transit du fait effectivement d'une mue qui était vraiment pas bonne, et donc des poils, et donc hop, ils avalent effectivement leurs poils, et ensuite ça se bloque au niveau donc, de l'estomac, comme on l'a décrit précédemment. Donc des brossages réguliers sont vraiment très importants, mais également donc des massages, également donc de l'abdomen, qui, dans le sens effectivement, donc généralement horaire, qui permettent en fait de recréer un petit peu, de mimer le transit en fait intestinal. Également un suivi dentaire, c'est également très important chez votre vétérinaire. C'est-à-dire si votre lapin a déjà des antécédents de malocclusion dentaire ou quelque chose qui ne va pas au niveau effectivement des dents, c'est vraiment très important d'avoir un suivi quand même, parce que généralement, c'est les dents qui sont également donc la cause numéro un des arrêts effectivement de transit. Alors, également, en début d'évolution, qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre lapin ? Essayer de favoriser son déplacement. Également, lui apporter donc de la chaleur. Parce que ce sont des animaux également dont il faut faire très attention, qui généralement baissent en température. Donc vraiment très important de leur apporter donc de la chaleur. Également, vous pouvez les réhydrater et les réalimenter. Mais attention, j'insiste, il faut les réalimenter avec prudence. Puisque là, vous ne pouvez pas le savoir. À moins que vous ayez vraiment bonne connaissance de l'arrêt de transit et lorsque vous palpez votre animal, vous sentez bien l'estomac, c'est-à-dire qu'on ne va pas surcharger un animal qui est déjà plein. C'est-à-dire, imaginons, ce que je prends comme exemple avec mes clients, également pour bien leur expliquer, si c'est l'estomac qui est touché. C'est-à-dire que l'estomac, en fait, il va grossir. C'est comme si, alors, quand vous avez un ralentissement de transit, c'est qu'il faut imaginer que l'estomac est comme une machine à laver. Mais quand c'est un ralentissement de transit, c'est-à-dire que la machine à laver marche mal, mais elle marche. Et quand vous avez un arrêt de transit, là, la machine à laver, elle ne marche plus, plus du tout. Et vous n'allez pas rajouter du linge dans une machine à laver qui ne marche plus. Donc, c'est pour ça que la réalimentation, effectivement, donc, du lapin, doit s'effectuer de manière raisonnée avec prudence. Également, donc, les massages abdominaux pour essayer de relancer, effectivement, donc, ce transit. Également, ne surtout pas rajouter du stress à votre animal. Déjà, si effectivement, donc, on a cet arrêt de transit qui se met en place, déjà, ça dépend effectivement donc de la cause, de la douleur qui peut être derrière. Si en plus vous stressez, là, ça va encore plus effectivement partir vraiment en arrêt de transit, vraiment bien assis. Et là, c'est vraiment pas bon effectivement pour votre animal. Et bien entendu, c'est entrer en contact le plus rapidement avec un vétérinaire. Vraiment, en termes, on va dire, de laps de temps, c'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, si votre lapin n'a pas mangé et n'a pas émis de sel, là, il faut commencer effectivement à s'inquiéter. Et ça devient vraiment une urgence, mais une urgence vitale sur votre lapin, s'il n'y a pas eu vraiment préhension d'alimentation et surtout émission de sel au bout de 24 heures. Là, il faut contacter d'urgence votre vétérinaire. Bien entendu, ça tombe toujours un dimanche soir. Donc après, voilà, ça dépend effectivement dans quelle région de France vous êtes, mais il faut vraiment avoir un plan de secours parce que c'est quelque chose qui doit être traité le plus rapidement possible. Alors, justement, parmi la prise en charge, que fait le vétérinaire lorsque l'animal effectivement est amené pour arrêt de transit? Déjà, bien entendu, on effectue un examen clinique de l'animal, c'est la base, on a vraiment de tout. Donc, on évalue tous les paramètres physiologiques donc de l'animal et essayer surtout, alors ce qui est vraiment très important,
c'est la palpation abdominale, mais également l'examen dentaire. C'est vraiment les deux temps qui sont très importants, puisque lors de la palpation abdominale, on va déjà avec un peu le sens clinique et un peu le toucher qu'on a, qu'on développe au fur et à mesure effectivement des consultations, savoir un petit peu localiser, bien entendu, un peu le problème. Et surtout, quand on fait l'examen dentaire du lapin, s'il y a un problème, on dit ben, ça provient généralement effectivement de là. Donc c'est vraiment une étape essentielle donc, que vous avez chez le vétérinaire. En plus de l'examen clinique, vous avez des examens d'imagerie, qui sont des examens très, très, très importants. Alors là, je vous donne un exemple donc, d'un lapin qui va bien. Mais c'est pour vous montrer, alors moi je l'explique effectivement donc, à mes clients pour bien leur montrer effectivement donc, les différentes parties qu'on a chez le lapin. Donc là, vous avez donc l'estomac du lapin. D'accord? Donc là, il est tout à fait normal. Donc l'estomac du lapin, à la radiographie, il ne doit pas faire plus de 2/3 de la hauteur du lapin et ne doit pas dépasser justement le dernier arc costal que vous avez donc ici. Donc un estomac tout à fait normal, qui normalement à la radiographie, ça dépend du stade où on le prend, qui apparaît généralement un peu avec un aspect un peu mi-pain. C'est-à-dire à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, il y a de l'eau, il y a des fibres, il y a du foin, il y a un peu des granulés, il y a un peu de tout qui se mélange. Ensuite, ce que nous regardons vétérinaire, c'est ce qu'on appelle le cécum, qui est situé donc ici. Donc on regarde si le cécum n'est pas gonflé, s'il n'y a pas de gaz, qui lui également a un aspect également mi-pain, un petit peu. Et là, il est tout à fait normal. Et ensuite, on s'intéresse à un troisième cadran, qui est donc ici, qui est le côlon. Et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais vous avez hop, des petites crottes qui arrivent, qui vont arriver au niveau du lapin. Donc on effectue donc deux radiographies, une radiographie de profil que vous avez vue, mais une radiographie également donc de face, avec l'estomac ici, le cécum et le côlon. Voilà. Vraiment, ces examens d'imagerie sont vraiment essentiels. C'est vraiment, on les effectue donc quand un lapin arrive pour anorexie, quand il arrive pour arrêt de transit, quand il arrive également, donc lorsqu'on a une palpation, effectivement, on sent qu'il y a une masse ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais également pour tout ce qui va être douleur abdominale, etc. Vraiment, l'examen d'imagerie, en particulier la radiographie, est vraiment très, très important. Généralement, le vétérinaire va vous le proposer. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple d'un lapin, vous voyez, regardez, vous voyez la taille de l'estomac? Qui est vraiment donc très très très, vous voyez, qui dépasse du dernier arc effectivement donc costal ici, où vous voyez vraiment donc une bulle effectivement donc noire, ça c'est de l'air que vous avez donc dans l'estomac, et ça vraiment image caractéristique de ce qu'on appelle une occlusion gastrique. Là le lapin est totalement occlus donc ici, et vous voyez, regardez, hop, l'estomac qui dépasse complètement effectivement donc le dernier arc costal et qui fait bien entendu plus de 2/3 de la hauteur du lapin. Hop, là vous avez également donc là un début un petit peu de stase gastrique, un petit peu, mais sinon l'estomac un peu rempli avec cet aspect un peu mi-pain. Voilà. Alors, en plus de ce que fait le vétérinaire, eh bien, le vétérinaire va décider effectivement, oups, j'ai passé un petit peu tôt, va décider effectivement en fonction bien entendu de ce qui va être observé en fonction de l'examen clinique, des examens d'imagerie, si le lapin doit être donc hospitalisé ou pas, ou si des soins effectivement doivent être faits à domicile. Ça, c'est vraiment donc le vétérinaire qui va décider ceci. Si, alors, le lapin est donc hospitalisé. Vraiment, ce qui est important, on a une règle. C'est ce qu'on appelle la règle des 6 R, donc qu'on effectue vraiment lorsqu'on a une prise en charge d'arrêt de transit. Parmi cette règle des 6 R, la première, c'est la réhydratation. Effectivement, donc de l'animal. La réhydratation par voie orale, comme vous pouvez le deviner, est une réhydratation effectivement qui est un peu illusoire. On va plutôt passer par une réhydratation par ce qu'on appelle fluidothérapie en posant un cathéter donc à l'animal. Un cathéter que vous voyez ici. Alors, c'est un cas particulier, hein. Vous voyez un lapin avec une sonde naso-œsogastrique, mais vraiment cette sonde, et vraiment c'est on en pose très rarement hein, chez les lapins. C'est vraiment donc dans des cas qui nécessitent effectivement des fois une réalimentation, etc. C'est vraiment assez rare. Hein. Sur ce petit lapin, vous voyez, vous pouvez avoir un cathéter à la patte arrière, soit au niveau de l'oreille, qui va permettre de vraiment de réhydrater, puisque vraiment des fois on a un assèchement au niveau de l'estomac. Il faut réhydrater cet estomac. Il faut vraiment réhydrater le contenu intestinal. C'est vraiment très très important. Ensuite, la deuxième, bien entendu, de réchauffer l'animal.
Ça, c'est vraiment donc très, très, très important. Le réchauffement de l'animal va s'effectuer soit par l'intermédiaire effectivement de bouillotte. Vous pouvez réchauffer alors l'animal, moi des fois effectivement à l'intermédiaire d'un sèche-cheveux, ou vous pouvez réchauffer l'animal également. Donc nous, en tout cas, on a des couveuses. Moi, j'en possède effectivement donc sur mon site pour pouvoir les mettre à température effectivement idéale pour pouvoir les réchauffer. Également, il faut réduire la douleur. L'arrêt de transit, ça fait vraiment mal. Donc, c'est vraiment une des choses qu'on va faire au début, en plus effectivement de réhydrater, réchauffer l'animal, c'est réduire cette douleur. Cette douleur, généralement, donc on la réduit par l'intermédiaire de cette fluidothérapie qu'on a mise en place. Donc, on met à l'intérieur justement donc des aimants qui vont permettre en fait au lapin de ne plus avoir mal, de ne plus effectivement sentir cette douleur. Alors, également, ce qui va être, hop, je vais juste couper le son. Ce qui va être également important, c'est de réalimenter l'animal. Alors, bien entendu, la réalimentation, elle s'effectue de manière progressive et de manière raisonnée. Ça dépend pourquoi l'animal va nous être effectivement amené. Mais ils prennent, vous voyez, alors je ne sais pas si on voit très très bien, ça passe, si ça passe un petit peu. Voilà, la petite réalimentation, effectivement, donc d'un lapin. Voilà. Et une autre vidéo également. Alors, je ne sais pas si on la voit. Alors, ça passe. Il y a un petit lag. Et là, vous voyez, alors par exemple, sur cette vidéo qui est assez rigolote, où il y a un lapin qui, vraiment, on n'a même pas besoin de pouvoir le gaver. Le lapin se réalimente effectivement donc, tout seul. Il va directement dans le gavage. Donc, c'est assez intéressant. Donc voilà, la réalimentation, effectivement, est très importante. Également donc chez le lapin, mais bien entendu de manière raisonnée, ça c'est le vétérinaire qui va en juger. Autre chose également importante, c'est de remuer, de faire effectivement que le lapin puisse se déplacer. Donc soit par l'intermédiaire effectivement, donc lorsque généralement le transit effectivement repart, on les met généralement donc dans des parcs, là comme vous avez effectivement donc plusieurs exemples ici, de manière qu'ils puissent effectivement donc se déplacer. Et enfin, le sixième R qui est également important, c'est bien entendu rechercher la cause. Généralement, on l'a. Généralement, au début, on recherche la cause, effectivement, déjà au début, et on l'a effectivement tout de suite. Mais la recherche de la cause est effectivement très importante pour éviter justement que votre animal, de nouveau, représente un arrêt de transit. Donc, ça peut passer soit par, comme j'ai dit, des examens d'imagerie, des examens sanguins, des examens dentaires. Ça peut passer effectivement donc, par plusieurs choses. Donc vraiment, en conclusion, ce qu'il faut retenir effectivement donc de cet arrêt de transit, c'est que vraiment, c'est une urgence vitale pour votre animal si il n'y a pas eu de prise alimentaire et surtout s'il n'y a pas eu de selle dans les 24 heures. Il faut contacter effectivement donc d'urgence votre vétérinaire qui puisse effectivement donc prendre en charge cet arrêt de transit le plus tôt possible, puisque sinon, après, votre lapin peut vraiment en mourir. C'est vraiment donc très, très, très important. Il faut bien entendu bien reconnaître les signes de l'arrêt de transit. J'ai des propriétaires qui sont très bien rodés, effectivement, pour ça. Donc vraiment, le lapin qui fait la poule, qui se met dans un coin, un changement de comportement, un grincement des dents, si vous en avez, vraiment quelque chose qui ne va pas, que vous sentiez douloureux, ça doit effectivement vous mettre la puce à l'oreille et ça doit vraiment vous alerter. Les massages et les brossages sont très importants. Les brossages, ça insiste sur tous les lapins qui, justement, ont une mue très importante. Les lapins qui sont déjà prédisposés, ceux à tête de lion, les lapins angora, les lapins un peu fluffy. Donc, ça, faut vraiment, effectivement, donc, faire des brossages. Et j'ai même un propriétaire qui est obligé de brosser son lapin 3 fois par jour pour éviter, effectivement, donc, un arrêt de transit. Donc, ça, vraiment, c'est très, très, très important. Également, les massages. Pour vraiment mimer un peu le transit effectivement donc digestif. Également, ça provient également aussi de l'alimentation de votre animal. Vraiment, j'insiste encore dessus, le foin est une base essentielle, importante pour l'apport en fibres, mais pour l'usure effectivement donc des dents de votre animal. Et bien entendu, en cas d'urgence, entrez vraiment en contact avec votre vétérinaire qui vous guidera et vous prodiguera effectivement, enfin prodiguera à votre animal les soins effectivement dont il a besoin. Voilà, ben, je vous remercie effectivement de votre question.
Alors, j'avais pas branché mon micro, donc merci Kevin Schlacks, docteur Kevin Schlacks. Je pense que c'était super intéressant. Non seulement on n'a pas perdu des gens, mais on en a gagné, donc personne n'est parti. C'est super. Alors, il y a eu pas mal de réactions. Bon, je pense que vous avez déjà répondu à énormément de questions, mais il y en a encore. Alors, on va demander peut-être à Vivienne si tu peux nous dire quelles sont les questions qui reviennent le plus. Ben, je crois qu'on va être obligé de parler du jus d'ananas, qui est un incontournable dans l'arrêt du transit. Est-ce qu'il faut en donner? Est-ce qu'il ne faut pas en donner? Voilà, les gens ne savent pas. On entend de tout. Alors, le jus d'ananas... peut-être ouais, avec l'écho. le jus d'ananas, oui, j'en recommande, en tout cas pour les lapins, justement, qui... alors, en prévention, tout à fait, on peut en donner. Également, les lapins qui ont eu l'arrêt de transit et qui a été traité, on en donne également après. Attention, il ne faut pas en donner, effectivement, donc, vraiment... tout le temps, mais ça peut effectivement être donné. Alors, on peut donc acheter du jus d'ananas donc très bien donc en grande surface. La quantité généralement à donner chez le lapin est de 5 à 10 millilitres effectivement par jour. Le jus d'ananas va avoir deux propriétés. Il va permettre d'abord d'hydrater l'animal, ce qui est un des rôles, vous voyez, c'est un des rôles des scisères, justement, parmi les règles des scisères, c'est réhydrater. Donc, il va avoir effectivement ce rôle. Alors, attention, bien entendu, le jus d'ananas va apporter du sucre, effectivement, donc à votre lapin. Mais après, c'est vraiment pas, la chose dont on va se soucier. C'est vraiment, d'abord, c'est de réhydrater l'animal. Ensuite, le jus d'ananas, ce n'est pas prouvé scientifiquement. J'espère que ce sera prouvé un jour. Il contiendrait ce qu'on appelle donc une enzyme, qu'on appellerait donc la bromélaïne. Et cette enzyme permettrait de dissoudre justement un petit peu les poils présents donc dans l'estomac. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je le recommande. Merci. Alors, c'est vrai, si je peux intervenir en tant que médecin, hein, parce que on a... Vous m'entendez quand même, docteur Schlack? Oui, je vous entends. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours des polémiques chez les gens qui s'intéressent aux lapins, et c'est exactement la même chose en médecine humaine. Hein. Il y a toujours des gens qui sont absolument contre, des gens qui sont pour. Moi, je pense que ce qu'on peut dire... En dehors de ce que vous avez indiqué, c'est que déjà, bon, les gens qui donnent du jus d'ananas, de toute façon, ils mettent pas en danger la vie de leur lapin. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, après, il y en a qui vont expliquer que ça n'a pas d'action, mais vous prenez pas un risque de mettre en danger votre lapin, je pense, si vous en donnez. Après, c'est toujours très difficile, en l'absence d'études cliniques, de dire qui a raison et qui a tort. Et j'imagine que c'est des études assez compliquées. À mettre en œuvre et qui n'ont peut-être pas un intérêt absolument fondamental. Alors, est-ce que je peux intervenir? Est-ce que, alors, finalement, il ne serait pas plus simple de donner de l'eau, non? Alors, tout à fait. On peut effectivement donner de l'eau. Alors, après, ça va dépendre du propriétaire. Bien entendu, il y en a qui utilisent le jus d'ananas. Donc, moi, vraiment, voilà, comme c'est pas prou... enfin, j'ai pas de preuves scientifiques, j'ai rien sur quoi m'asseoir, effectivement, et prouver. Mais oui, on peut donner également de l'eau par l'intermédiaire, justement, de pipettes pour, effectivement, réhydrater son animal, bien entendu. Bah, j'imagine simplement qu'un animal qui peut être plus friand pour quelque chose d'un peu sucré que juste de l'eau. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être plus d'appétence pour le jus d'ananas, j'imagine, non? Tout à fait. Et de plus, alors attention, si vous testez le jus d'ananas et que le jus d'ananas, le lapin ne l'aime pas, il ne faut absolument pas insister. C'est-à-dire vraiment, donc, on essaye. Si le lapin n'aime pas le jus d'ananas, ne pas effectivement lui donner. Il ne faut pas vraiment le forcer. Donc, en résumé, on dit qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il y a des vétérinaires qui en donnent, d'autres pas. Bon, bah, chacun sa technique, hein. Je pense qu'il faut respecter les choix de votre vétérinaire qui connaît votre animal et qui vous donnera de bons conseils. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Vivienne? Oui, en prévention, en traitement de prévention, la papaye d'Oxbow. Pareil, j'ai pas d'études scientifiques. Moi, je le fais, en tout cas sur effectivement mes lapins, comme quoi, effectivement, ça permettrait de...
voilà, d'avoir effectivement ces propriétés pour l'arrêt de transit. Ça, voilà, je vais reprendre à peu près ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça ne va pas présenter d'impact sur la santé de votre animal. Donc après, j'ai pas de, voilà, de preuves scientifiques effectivement avancées pour l'utilisation effectivement de la papaye. Mais moi, je le fais personnellement. Oh, Oui, bah. excusez-moi, parce que j'avais laissé mon micro fermé. Pas de Alors. souci. Oui, et la fréquence à laquelle vous donnez la papaye, c'est 1 à 2 comprimés par jour, c'est en sous forme de cure, comment vous faites? Ça va être à l'appréciation du propriétaire. Alors après, c'est vraiment ce qui est sur les lapins qui sont vraiment sujets à faire des ralentissements de transit un peu chroniques. On va dire peut-être. De 2 jours Deux par jours par semaine, semaine, mais vraiment mais après, vraiment par après, contre, il par faut pas le contre, il donner. faut Moi, pas je le pense donner, pas mais le vraiment donner pas le donner pendant tous les pendant tous les jours, jours, parce que le lapin, je pense qu'il s'habituera en termes de friandise, quitte à délaisser effectivement son foin, et là, ce serait pas bon du tout. Donc, faut vraiment avoir quelque chose effectivement de raisonné à l'utilisation effectivement de cette papaye, et ça doit rester vraiment à, on va dire, moi, je donne effectivement pour mes lapins 2 comprimés par lapin et 2 jours par semaine. Alors, on me pose une question que je trouve assez intéressante, peut-être, que j'affiche. Est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs, enfin, des conseils pour les massages? Ah, Ah, alors attendez, bougez attendez, pas, je vais vous amener mon lapin et je vais vous montrer. génial, merci. Bon, on remercie vraiment le docteur Schlax, hein. Je pense que c'était super intéressant. On va essayer de maintenant de voir. Voilà, alors on va le redécouvrir. Alors, on va Oh, live. Donc donc vraiment, vraiment, on va essayer de on va essayer voir de au voir niveau des au niveau des massages. massages. Donc vraiment le tenir à ce niveau-là et effectuer des mouvements vraiment circulaires. Hop, voilà. Et ça pendant environ 5 minutes, 5 à 10 minutes par jour. Pour vraiment donc stimuler, voilà, mimer le transit, effectivement, donc chez le petit lapin. Voilà. Merci, on a une démonstration en live, c'était super. Alors, il y a des gens qui nous demandent, bon, on revient sur le jus d'ananas, mais on a déjà répondu. Ça pose peut-être le problème de l'automédication. Est-ce qu'il y a, alors tout à l'heure on a vu les mesures que vous conseillez en prévention. Est-ce qu'on doit avoir une petite trousse à médicaments si on se retrouve, comme on a dit le samedi soir, avec un problème? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, l'automédication, il faut faire très attention, vraiment très très attention, c'est-à-dire que, bien entendu, on aura souvent tendance à réutiliser ce qui a déjà marché, effectivement, donc la dernière fois, si le lapin, effectivement, est en arrêt de transit. Vraiment, ce que je recommande, donc c'est déjà tout ce qui était présenté justement la présentation en termes, effectivement, comment prévenir, comment, effectivement, moins réchauffer, etc. Mais vraiment, je pense qu'en termes effectivement de prévention, essayer de vraiment de contacter le vétérinaire pour voir si on peut effectivement donc lui donner ce qui a déjà été donné la dernière fois. Puisqu'attention, il y a certains médicaments qui, pareil, ben là, ça va dépendre effectivement des confrères et consœurs. Il y en a qui n'utilisent pas forcément effectivement les mêmes. Mais il y en a certains, par exemple, si vous utilisez un médicament qui, effectivement, que je n'aimerais pas, mais qui marche très bien, qui est généralement donné par pas mal de confrères et consœurs. Et malheureusement, si vous avez effectivement un corps étranger ou quelque chose qui bloque, bah, par exemple, ce médicament va plutôt être un danger, effectivement, donc pour le lapin. Donc, il faut vraiment, je pense, avoir l'avis du vétérinaire avant de faire sa propre automédication. Très bien, on a une question là qui vient d'être posée. Est-ce qu'on peut on peut y répondre?
Ah, par rapport à l'origine psychique? Oui, c'est ça. Elle demande. Ils savent pas quoi faire, en fait. Son état ne s'améliore pas. Apparemment, il a eu un choc. Malgré la visite chez le vétérinaire? Là, après, c'est vraiment très compliqué. Alors, bien entendu, alors la psychologie du lapin, là, je ne pourrais pas du tout, effectivement, vous dire grand-chose, effectivement, dessus. Mais en ce qui concerne, effectivement, donc, le problème que rencontrent donc, ces propriétaires, je ne sais pas après ce qu'a fait, effectivement, le confrère ou la consœur, s'il y a eu tout d'explorer, vraiment, donc, comme, effectivement, je l'ai souligné. Là, je pourrais pas effectivement trop répondre effectivement à cette question. Alors, il peut y avoir le, comme vous le dites, le stress. Le stress peut effectivement avoir un impact sur effectivement chez le lapin. Mais en ce qui concerne effectivement, alors la perte d'un compagnon, alors c'est vraiment, je l'ai pas observé effectivement personnellement moi chez le lapin. Chez d'autres effectivement petits mammifères, je l'ai observé. Par exemple, effectivement chez le chinchilla, où on a effectivement donc des dépressions. Enfin, des dépressions. Effectivement, l'animal qui se laisse effectivement un peu aller du fait de la perte du compagnon. Également chez le cochon d'Inde, mais chez le lapin, je ne pourrais pas l'exclure. Mais après, il faudrait vraiment, je pense, bien rediscuter avec le confrère et la consœur pour vraiment bien savoir s'il n'y a pas une cause effectivement sous-jacente, autre qu'une cause effectivement forcément psychique. Oui, parce que là, a priori, elle parle plus de ralentissement d'ailleurs que d'arrêt, donc on est plutôt dans quelque chose de chronique. Alors justement, tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur la constipation. Est-ce que ça existe chez le lapin? Comment on fait la différence entre une constipation et un arrêt du transit si c'est vraiment un cas qui se pose? Alors, vraiment, en termes de constipation, j'ai jamais entendu ce terme, effectivement, chez le lapin. C'est vraiment le ralentissement, voire l'arrêt de transit. Le lapin, il ne va pas être effectivement constipé. Le lapin, donc vraiment, comme c'était présenté, il faut qu'il ait un transit, effectivement. En fait, il faut que ça fonctionne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça doit être effectivement donc en transit, de manière à pouvoir évacuer effectivement donc les gaz produits par les bactéries pour éviter effectivement que ça s'accumule, pour éviter que ça lui fasse mal. Et vraiment, c'est vraiment très très important effectivement que ce transit doit être maintenu. Et bon, après voilà, c'est par différents effectivement donc éléments, apporter une bonne alimentation riche en fibres, s'assurer effectivement de son suivi dentaire, que tout va bien, qu'il n'y ait pas de douleur externe, qu'il n'y ait pas de stress. C'est vraiment quelque chose effectivement donc d'assez, on va dire, complexe, parce qu'il y a plein de paramètres effectivement donc en jeu et qui peuvent causer effectivement l'arrêt de transit donc du lapin. On a des questions bon, qu'on a à peu près sur chacun des lives, mais c'est intéressant d'avoir les astuces de chaque vétérinaire, en particulier sur la façon d'administrer un traitement. Hein. C'est toujours un stress pour les propriétaires de devoir faire avaler un médicament. Donc, est-ce que vous avez quels sont les conseils que vous donnez à vos propriétaires? Alors, c'est une très bonne remarque. Donc effectivement, donc comme c'est marqué, comme je l'avais présenté justement dans les PowerPoint, ne pas rajouter du stress. Et bien entendu, quand on est à un moment, on est obligé, si on a effectivement donc des médicaments administrés à son lapin, de le prendre et de faire effectivement donc d'essayer de lui faire prendre ces médicaments, ce qui va rajouter du stress. Ça, malheureusement, il faut le faire de manière effectivement assez douce. Donc vous avez deux techniques. Donc soit, attendez, je vais vous montrer. Viens, mon pépère. Alors. Voilà. Donc vraiment, donc en termes effectivement de prise du lapin, là vous voyez, il se laisse effectivement donc assez bien faire. Normalement, il faut vraiment avoir une table à peu près à hauteur de bassin, poser son lapin effectivement donc dessus. Alors pour les droitiers, c'est mettre la main gauche en dessous des pattes du lapin. Et le lapin est posé sur la table. Comme ça, le lapin, il ne peut pas reculer. Et s'il veut avancer avec la main gauche, vous pouvez le bloquer. Et ensuite, vraiment, c'est par l'intermédiaire d'une petite seringue, donc dans le diastème, donc qui se trouve effectivement donc ici, la zone effectivement sans dents, que vous pouvez mettre effectivement donc la seringue. Et comme ça, vous maintenez votre lapin. Après, il y a une autre technique, c'est d'effectuer la technique du burrito.
c'est-à-dire de mettre le lapin dans une serviette, de pouvoir recouvrir justement le lapin avec la serviette, comme ça votre lapin est totalement isolé, il ne peut pas bouger. Et là, vous pouvez donc lui administrer tranquillement donc les soins. Et vous avez plusieurs effectivement vidéos sur Internet, y compris sur la chaîne YouTube Cas du Vet, où il est très bien expliqué que, voilà, comment mettre votre lapin vraiment donc, dans une serviette, comment l'emmailloter pour pouvoir lui administrer les traitements à la maison. Bah super, c'est vrai qu'il est, il a l'air super, super gentil. Alors en général, les gens se disent, oui, mais lui, il a un lapin super gentil, le mien n'arrête pas de se débattre. Mais je pense que le fait, on a vu sur une autre vidéo, le fait de le prendre du sol et de le mettre sur une table, ça le, en général, ça les calme un peu, non? Je vous entends plus, là. On vous entend plus. Non. Je vous entends plus du tout. Est-ce que vous avez touché quelque chose avec l'ordinateur? Non, je ne vous entends plus du tout. Il me dit que vous avez coupé votre son, peut-être sans faire exprès. Vous n'avez pas un petit micro qu'on peut... Il me dit que vous avez coupé, vous n'avez plus de son. On va essayer de remettre ça. Vous n'avez rien touché en prenant le lapin ou... Non. vous essayez de vous reconnecter peut-être à ce moment-là? Vous m'entendez, hein, donc vous quittez et vous reconnectez avec le lien. À tout de suite. Voilà, on va attendre que le docteur Schlax nous rejoigne à nouveau. Ça ne devrait pas être long. Alors, je vais regarder en même temps vos questions. Alors, des lapins qui ne s'entendent pas. Alors. Allô? J'ai l'impression que... Excusez-moi, je suis en train d'essayer de régler ça. Allô, voilà, allô, vous m'entendez là? Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, ouais. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Les aléas du direct. Ouais, ouais, bon, ben voilà, hein, on est en direct. Donc, je regardais un petit peu les questions, oui, dis-moi. Est-ce que j'ai des questions sur les méprides, fibroplex? Voilà, est-ce qu'on peut donner tous ces médicaments? Enfin, bon, voilà, quoi. Est-ce que alors c'est risqué ou pas? Non, pour le fibroplex, c'est pas risqué. Par contre, les lapins l'aiment pas. En général, ils aiment vraiment pas forcément, effectivement, le fibroplex. On peut l'utiliser, bien entendu. Mais ils vont pas forcément effectivement vraiment aimer ce fibroplex. Ensuite, bah, les méprides, vu que vous l'évoquez, c'est le médicament dont je parlais tout à l'heure, donc qui est vraiment donc qui lui va avoir pour vocation vraiment à stimuler en fait le transit. Mais attention, si vous avez un corps étranger ou quelque chose qui bloque, c'est-à-dire qu'en fait vraiment vous ferez avancer le corps étranger, donc faire attention effectivement à cette automédication. C'est pour ça, c'est vraiment en accord avec votre vétérinaire qui a prescrit effectivement donc le traitement. Oui, la paraffine. Personnellement, je pense qu'on peut effectivement donc l'essayer. Mais après, attention au niveau du problème de la paraffine, c'est que après, vraiment la paraffine, elle va rouvrir effectivement donc la paroi effectivement digestive. Et le effectivement donc de ça, c'est que c'est plus l'évacuation effectivement également des gaz, enfin, qu'il y aura avec effectivement donc le transit. Vraiment, ce qu'on peut utiliser et que moi je recommande. Généralement, effectivement, parfois, ça dépend de la radio, ça dépend du diagnostic qu'on a posé.
Vous avez l'utilisation du polysilane, donc un médicament effectivement donc humain, qui lui va permettre effectivement donc de capter les gaz et qui est vraiment effectivement beaucoup plus indiqué, je trouve, que l'huile de paraffine et que vous pouvez donner absolument également sans problème à votre lapin et que vous pouvez trouver facilement en pharmacie. Alors, tout à l'heure, on a vu que vous réalimentiez les lapins en les gavant. On me demande avec quoi peut-on le gaver pour le réalimenter? Et est-ce que ça, c'est le propriétaire qui le fait ou c'est quand le lapin est à la clinique? Alors, bien entendu, dès qu'il y a le lapin qui ne mange pas, ce qu'on va avoir tendance à faire, effectivement, c'est à le réalimenter. Et ça, effectivement, c'est un bon réflexe, mais comme dit dans la présentation, il faut le réalimenter, mais avec prudence. Donc, je vous ai dit, attention, si c'est l'estomac qui est touché, si l'estomac, effectivement, est déjà rempli, c'est-à-dire que vous remplissez encore plus l'estomac. Donc, il faut faire vraiment très attention. Ensuite, donc, nous, on les réalimente effectivement donc, de manière raisonnée tout à fait donc, en hospitalisation. Et on les réalimente généralement par l'intermédiaire donc, du critical care, ce que sûrement effectivement beaucoup de propriétaires effectivement connaissent. Oui, une question sur le brossage. Oui. Combien de fois le brossage par semaine? C'est une C'est grosse une question. grosse question. C'est vraiment C'est une grosse vraiment une grosse question. question. Ça, alors, pour les Alors, pour lapins les qui sont lapins qui vraiment sont mus, vraiment mus. ça doit être 1 à 2 fois par jour, vraiment, jusqu'à temps que la mue, effectivement, s'est calmée. Pour les lapins qui sont donc prédisposés, à savoir lapin tête de lion, comme mon lapin, là, justement, là, qui est là, comme les lapins Angora ou les lapins, effectivement, tout fluffy, c'est vraiment limite, limite, c'est tous les jours qu'il faut le faire, au moins 1 à 2 fois, effectivement, par jour. Après, bien entendu, je sais que c'est compliqué avec l'emploi du temps, effectivement, de chacun. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un propriétaire, il est obligé de le faire 3 fois par jour, sinon, c'est presque sûr, effectivement, que sa lapine va revenir en occlusion gastrique. Bon, je crois Non, non, il y a on une a encore dernière une autre question question alors, oui. qui est vraiment très très importante. Comment s'appelle votre lapin? Ah. Mon lapin, Mon lapin, alors. tiens, tiens. Alors, eh ben, elle a un prénom très original. Il s'appelle Serge. Il y a une raison particulière ou c'est personnel? Non, c'est Non, c'est personnel. personnel. D'accord. Il a une Voilà, super voilà. bouille, Serge. Il est magnifique. Bon, et c'est vrai que est-ce que finalement, pour revenir au début de la discussion, on a vu que c'était extrêmement fréquent. Finalement, c'est quasiment inévitable l'arrêt du transit ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que finalement tout propriétaire de lapin doit s'attendre un jour ou l'autre à avoir? C'est quand même C'est quand voilà même très voilà très très fréquent. fréquent. Je pense qu'on va y. Enfin, je touche du Je bois. touche J'ai du bois. jamais J'ai encore jamais été encore été confronté confronté avec mes lapins à l'arrêt de à l'arrêt transit. de transit. Mais il faut Mais il savoir faut voilà savoir voilà comment le comment le gérer, quels sont les premiers signes. Donc c'est quand même vraiment très important effectivement d'être au courant que le lapin effectivement peut faire ça. La prévention, bah, c'est tout ce qui est marqué vraiment dans le PowerPoint. Ça va dépendre, on va dire, mais je pense, à mon avis, ça va toucher, je ne sais pas, la prévalence ni l'incidence, effectivement, dans la population des lapins domestiques en France. Mais à mon avis, elle doit être pas loin du chiffre que vous avez, c'est-à-dire il y a 8 lapins sur 10 qui doivent faire, effectivement, un ralentissement, un arrêt de transit. Pratiquement, ouais. pratiquement, Voire, je dirais pas je dirais pas 100%, mais 100%, mais on n'est pas on loin n'est de pas 8 lapins loin de sur 8 lapins 10. sur 10. Donc la prévention et puis être capable de bien connaître son lapin pour se rendre compte à quel moment il va changer de comportement pour rapidement pouvoir agir et ne pas attendre que ça se dégrade trop. Et C'est puis, ça. on l'a compris, après 12 heures, ça commence à devenir chaud et c'est là qu'il faut aller chez le vétérinaire ou au moins lui téléphoner. Les granulés. Exactement. C'est Exactement. vraiment C'est avoir vraiment donc avoir donc savoir les savoir les signes, signes, bien bien prévenir prévenir effectivement effectivement l'arrêt de donc l'arrêt de transit, transit, être en être contact en avec son contact avec son vétérinaire. vétérinaire. Et moi, je le Et vois, moi, j'ai je un le vois, j'ai un propriétaire propriétaire très très habitué. habitué. Qui, dès le Qui, premier dès le coup premier d'œil, coup ça d'œil, reconnaît ça l'arrêt de reconnaît transit l'arrêt de et transit vient et vient directement directement chez chez moi moi et et ça ça se se règle règle effectivement. effectivement. Plus Bon, tôt plutôt va chez le va chez le vétérinaire, vétérinaire, mieux mieux c'est. c'est.
Alors, une dernière question, bon, même si... Vanessa, oui. Voilà, c'est une question sur les granulés. Bon, il y a des propriétaires qui donnent des granulés et du foin. Est-ce que ça a un rôle très important? Alors, ça a dû être effectivement développé par mes consoeurs. Je pense sur l'alimentation du lapin. Donc vraiment, je reviens dessus. Si on fait une pyramide alimentaire, donc que je montre généralement aux clients effectivement qui viennent me voir, à 80%, donc c'est l'alimentation à base de foin, pour les raisons que j'ai évoquées. Ensuite, donc, il y a la verdure, également, donc, qu'on peut introduire donc, chez le lapin, la verdure qui est quand même très importante, qui est dangereuse. Il faut faire effectivement donc, attention à ce qu'on donne, effectivement, en termes de verdure. Mais généralement, donc, on n'introduit pas la verdure trop tôt pour éviter, comme c'était présenté dans le PowerPoint, donc vraiment un déséquilibre bactérien chez le jeune lapro. Généralement, on la met plus, on l'introduit vers 6 mois d'âge. Et ensuite, donc, vraiment, les granulés représentent, on va dire, moins de 5% de l'alimentation, effectivement, du lapin. Ces granulés sont vraiment là pour apporter des fibres. C'est vraiment le but, effectivement, donc, des granulés. Ils n'ont aucun impact sur l'usure des dents. Ça, c'est vraiment très important de comprendre. C'est vraiment le foin qui va permettre l'usure, effectivement, des dents. En aucun cas, les granulés. Donc, ces granulés doivent avoir comme caractéristique... C'est, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle, ça je le dis à mes clients, c'est vraiment un pourcentage de fibres ou un pourcentage de cellulose brute qui doit être au moins de 18 voire 20%. C'est marqué sur le paquet justement donc que vous achetez. Et si par contre ce pourcentage n'est pas atteint, ça fait que les granulés en fait ne vont rien apporter en fait au lapin, vont juste le faire grossir en fait. Et de plus, ça va avoir alors un effet délétère à long terme, c'est-à-dire que le lapin va plus ça, je pense que la majorité des propriétaires, y compris propriétaires que je suis, c'est-à-dire que les lapins se ruent sur les granulés plutôt effectivement que sur leur foin. Et le problème, c'est que si on apporte effectivement trop de granulés qui ne sont pas bons, qui n'ont pas un pourcentage de fibres qui est suffisamment important, eh bien, ils vont s'habituer aux granulés, ils vont délaisser leur foin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas un apport de fibres suffisant. Et de plus, on n'aura pas une usure des dents suffisante. Et donc, forcément, donc des problèmes qui vont intervenir. Alors, attention, pas forcément tout de suite, mais dans les semaines, voire les mois, effectivement, à venir. Bon, allez, une toute dernière, et puis après, on arrête. À chaque fois, on me dit que c'est la dernière. On me demande... voilà, on me pose une question sur la compote. Alors, c'est variable. C'est vraiment... La compote, généralement, alors on va dire dans l'alimentation du lapin de base, non, il ne faut pas l'apporter. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est des éléments qui sont déjà, c'est riche effectivement en sucre. Donc le problème, c'est que le lapin, bien entendu, il va aimer, hein, il va adorer, hein, il va effectivement donc prendre effectivement ceci. Le problème, c'est que c'est pas du tout, ils sont pas faits pour manger ça. En fait, le problème. On peut leur apporter effectivement donc de la compote, des petits pots, effectivement, petits cocktails de fruits pour bébé, uniquement vraiment pour restimuler le lapin en fait à manger ou pour lui refaire un petit peu gagner du poids, mais ça doit rester uniquement transitoire. Ça doit vraiment être utilisé de manière très sporadique. Et sinon, on va avoir des effets délétères, donc les effets, c'est-à-dire obésité, si on l'utilise trop, et surtout un déséquilibre de la flore bactérienne où ça peut même entraîner, si on leur donne trop effectivement de compote, des diarrhées. Donc, il faut faire effectivement très attention par rapport à ça. Ça, il faut vraiment l'avoir bien en tête. Ça doit vraiment être très, ça doit être en accord avec le vétérinaire, bien entendu, et aussi de manière ponctuelle. Bon, ben bah super, hein. Super. Alors, est-ce que vous avez de l'écho là encore ou beaucoup moins, non? J'en ai un petit peu. Un petit peu encore, d'accord. Bon, ben on va essayer de régler ça pour le prochain live. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et on se donne rendez-vous, non pas avec vous, mais avec votre compagne qui est également vétérinaire la semaine prochaine. Vous pouvez nous dire juste un petit mot sur le sujet? Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet qui touche la plupart des propriétaires. Donc, un sujet qui va donc porter sur l'encéphalitozoon cuniculi. Donc, l'encéphalitozoono, c'est un peu difficile effectivement à dire.
donc chez le lapin, qui est un parasite donc présent donc chez le lapin, qui cause donc divers problèmes aux propriétaires, dont un de ces problèmes, c'est la tête penchée du lapin. Mais ça, je laisserai effectivement ma compagne et consoeur, le docteur Mélin, donc vous en parler beaucoup plus de manière en beaucoup plus détail. approfondie, sans vous spoiler, bien entendu. Bon, ben, en tout cas, vraiment, c'était super intéressant pour ce premier live que nous faisions ensemble sur sur nos réseaux sociaux. Et c'était super bien parce que je pense que d'abord, vous avez fait une explication très complète. Et ensuite, vous avez donné beaucoup de petits trucs pratiques pour les gens, parce que c'est souvent ce qui est précieux, hein, c'est des conseils qu'ils vont pouvoir appliquer aussi bien dans la prévention que dans la façon de gérer leur lapin. Donc vraiment, merci beaucoup. Peut-être Vivienne, tu veux dire un dernier mot? J'arrive, j'arrive. Ben, merci à tous, hein, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci au docteur Schlax. Et puis, on se retrouve voilà, dans 15 jours. Voilà. Non, la semaine Quand prochaine. la semaine La semaine prochaine? Oh, prochaine à pardon. 19h. Et puis, on aura, j'espère, le plaisir de remonter un autre sujet avec le docteur Schlax. Voilà. Non, Merci encore. Merci à tout le je monde. voulais vous remercier. Vraiment, c'était moi, je suis très très content de vous avoir découvert. C'est grâce à justement au propriétaire que j'ai pu découvrir Rabbit's World. Donc, je suis vraiment très content. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient effectivement présentes. Et voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, on vous dit au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine.